Bilo a mikolo yo. Free TV Caprice de Gerison. Bilo a mikolo. Vos abonnés ebele. Tokos. Salut chers internautes. Et mes salutations à tous les abonnés de Free TV Caprice. À ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur notre chaîne, alors je vous demanderai de vous abonner car c'est gratuit. Et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Alors, aujourd'hui, nous venons vous dire que le monsieur qui a été en tête devant la police est actuellement sous le verrou. Seulement pour vous dire que la justice existe bel et bien en RDC. Donc voilà, personne n'est au-dessus de la loi et personne n'est laissé là. Tata wana na minute yo, aza sous le verrou, avoya mbala. Donc yem te imona yike, soki mwana ya, soki mdeko ya, soki tata ya, na minute yo. Donc sous les verrous. Donc voilà quoi. Alors, exactement, flash mon tête total Sabino. Pendant que le bas était, la loi existe en RDC. Donc, état de droit isali. Donc voilà. Belé, ma bête qui m'a pas pendant le bas. Ah, au moni, eh, bah ça l'est mine, eh, azomé les policiers, eh, voyez, voyez. Bopiolo lagi, car c'est justice, c'était ma cabo, la tâche, mon amour. Là, dans un petit qui l'a vu, mais l'élé, pour nous dire, ça veut dire que voilà, mais si on a déjà vu ma minute, on a dit que c'était la valeur. Donc voilà. Toi, là, l'élé, puis on continue. Tis Mumba sous les verrous. Le reconnaissez-vous? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. Yo, comme vous voyez? Qu'est-ce que c'est ça? C'est lui. L'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tis Mumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Mumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, les trois policiers victimes de Tis Mumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef de département sécurité publique et chargé des opérations. Sous pied de l'article 44 de la loi numéro 13/03 du 1er janvier 2013, portant le statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de cet acte odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé auteur, je confirme ici que ça n'a rien à voir avec la famille du chef d'État. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations. Nous avons tous les renseignements possibles, il n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Après avoir appris l'avis de recherche émis contre lui par la police judiciaire. Ouais, mon vieux, Caps, Lucia là. La question m'a dit, je m'en suis dit. Qu'il plaît, mon petit Nagaï. Je vais te commander avec lui. Donc voilà. Mais dans la minute, vous allez développer moi, mon petit Mouquet, ma camouille, mon temps pour te l'aider, mon petit Nagaï, très bien.
nandenga samba ki nandenga kumba ki na carte nandenga ki niki prison hein Jules Georges na grande de Colmar pas salam na yangwana tu bosses ni pété no la Margela la grande dame moi sa boss donc voilà quoi hein mais là mazuka on a la PCL hein l'ange de la presse congolaise et mon kib quand j'ai si la maman quand elle a été moussa les journaliste na biso makasi Bundesliga, 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 je suis pas du ser. Moussala c'est moussala. Donc voilà quoi. Donc on pèse la bango gozali quoi ya. Il faut oyo ya. Tata oyo. Abimaki ou ta makasi devant policier. Donc voilà. On a yé tango et c'est koki. Azali sous le verrou na minute tout le babouille. Donc voilà quoi, RDC et le Makasi. Donc mon tout est avec le Matela, Mibeko Likolo. Mon tout est la Sia Mibeko. Donc mon tout est tout ça. Donc voilà quoi. Et Kadima, le baron de Zilic. Mon Mibeko, mon RDC et le Makasi. Donc voilà quoi. Donc. C'est ça. Faut que tous ça mes becs pour moi quand tu vas aller comme becs. T'as coupé fraîche, ouais. T'as coupé fraîche, t'as coupé pique à pas la fin. Tis Mumba sous les verrous. Le reconnaissez-vous? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. C'est lui, l'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tis Mumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Mumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, les trois policiers victimes de Tis Mumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef de département sécurité publique et chargé des opérations. Sous pied de l'article 44 de la loi numéro 13/013 du 1er janvier 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de cet acte odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général de la République. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé auteur, je confirme ici que ça n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles, il n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Après avoir appris l'avis de recherche émis contre lui par la police judiciaire, TV Caprice, des fois tu n'as qu'à t'aligner quoi. C'est donc assis comme un soleil à côté. Les gars, tout le monde soleil à côté. Vous abonnez. Free TV Caprice, n'as qu'à t'aligner. Et donc à ma casse, Fifi la douceur, n'as qu'à
Bundes, ma solo est en haut s'abonner. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, ma carte à Zurich, on a des 4 s'abonner.